grande et belle ambiance au Camp Nou au moment du coup d'envoi de cette affiche de la 37e journée de Ligue 1. Le FC Barcelone accueille son voisin de l'Espagnol. 164e derby en Ligue 1 entre l'Espagnol et le Barça. Large avantage au Barça qui reste sur 13 matchs sans défaite. Également Neymar aux côtés du ballon. Ce sera pour Lionel Messi qui enveloppe au-dessus du mur et qui nous offre un petit bijou. 1-0 en faveur du Barça. 8e minute de jeu. Lionel Messi entre en scène. Et le Barça fait la différence. Quelle merveille de coup franc de la part de Léo Messi. Mais ça reste dans les pieds Blaugrana avec la talonnade de Dani Alves. Le centre d'Ivan Rakitic, deuxième poteau Neymar qui va pouvoir contrôler ce ballon. Neymar, le centre de Neymar. Oh quel geste, quel geste de la part de l'international brésilien pour mettre ce ballon le coup du foulard de la part de Neymar. Retour de Diop hein, pour ce coup franc, c'est bien frappé par Victor Sanchez. La sortie de Ter Stegen, il a été gêné Marc-André Ter Stegen et il s'en sort très très bien l'ancien gardien de Gladbach. C'est peut-être pas fini avec le centre pour la tête. Et ce gros choc avec Javier Mascherano pour Pape Diop. Et dans le dos, c'était vers Luis Suarez. Dans le dos de Ruben Duarte, s'est récupéré très haut. Pas de hors-jeu pour Suarez, 2-0 en faveur du FC Barcelone. L'incontournable, l'irrésistible, Luis Suarez, 36e but, marqué cette saison en Liga. Et le 6e corner pour le Barça, frappé par Neymar vers Suarez. Oh, il s'est défait du marquage, Luis Suarez, pour s'offrir un nouveau doublé. Ce duel à distance avec Cristiano Ronaldo se poursuit, mais Luis Suarez répond du tac au tac, 3-0 en faveur du Barça grâce à son international uruguayen qui est venu tout de même bien faire le ménage autour de son défenseur, autour de sa zone tout simplement dans cette surface de réparation. Et donc Ivan Rakitic remplacé par Arda Turan et Rafinha pour les 20 dernières minutes de ce match. Neymar avec Rafinha qui profite de cette énorme erreur de Paulo Lopez. 4-0 en faveur du FC Barcelone. On pensait pourtant que ce ballon allait tranquillement récupéré par le gardien de l'Espagnol qui ferait mieux de se concentrer sur son travail au lieu de parler, de contester sans cesse l'attitude des Blaugrana. À l'arrivée, il est sanctionné sur ce ballon de Neymar qui était mal donné, il faut le dire, pour Rafinha. Entre Levante et l'Atlético, pour l'instant tenu en échec sur la pelouse de Levante. Le petit ballon avec Suarez, en une touche pour Neymar. Le football, c'est souvent, ça paraît en tout cas souvent très facile lorsqu'il est joué et maîtrisé comme cela par le FC Barcelone. Nouvelle confirmation avec le petit ballon en piqué, la remise de Luis Suarez pour Neymar. 5-0 en faveur du Barça. Et qui l'eût cru, effectivement, à l'aube de cette 37e journée. Victor Sanchez pour enrouler, ce sera au-dessus. Et on en reste là. 5-0 en faveur du FC Barcelone, 4e victoire consécutive en Liga pour les Blaugrana. Ça fait désormais 21 buts inscrits. Pas le moindre encaissé lors de ces 4 derniers rendez-vous en championnat. Le Barça revient au top, au meilleur des moments. Le Barça ne sera sans doute pas titré dès aujourd'hui. Mais le Barça s'impose 5-0 grâce à un nouveau doublé de Luis Suarez, début de Neymar, Léo Messi et Rafinha.